Ce vieux médecin consomme cet ingrédient depuis 50 ans et le conseille à tous ses patients. Voici pourquoi. Le vieux médecin avertit de prendre de l'eau avec du curcuma pour affoler votre corps. Avec tant d'avantages que le corps ne pourra qu'aller mieux. J'en ai parlé dans beaucoup d'autres vidéos. Si vous ne connaissez pas ceci ou même n'en consommez pas, alors c'est une erreur. Cette célèbre épice maison est largement utilisée aujourd'hui dans les foyers africains, européens, indiens et bien plus encore. Le curcuma est une épice extraite du rhizome de la plante, possède des qualités médicinales que peu de gens connaissent. Le curcuma étant autrefois si cher qu'en raison de son prix, une très petite quantité de gens très riches pouvaient y avoir accès pour utiliser. Mais de nos jours, cela ne coûte pas grand chose et son utilisation s'est vulgarisée et même sa culture. Mes amours, bienvenue sur votre chaîne number one, astuces santé et bien-être. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue dans la famille. Ancien et nouveau, je vous suis reconnaissante pour tout l'engouement que vous apportez à ma chaîne. Pensez à me mettre dans les commentaires votre nom, de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez. Vous savez combien cela me réjouit. N'oubliez pas de vous abonner, liker et penser à la clochette de notification pour toujours être au parfum de tout ce qui se passe par ici. Ils sont très bons pour le système digestif. Au passage, je voudrais savoir qui d'entre vous utilise cette épice dans la nourriture. Ceci a des composants qui peuvent stimuler le système digestif en augmentant les sécrétions gastriques et même salivaires. En plus, il a une capacité de stimuler la production de la bile, empêchant l'apparition des pierres et des calculs biliaires. Il est donc recommandé de manger 6 g de curcuma avant le repas. En se rappelant de ne pas consommer plus de 10 g par jour, bien sûr. Cette épice améliore grandement notre vision. C'est pourquoi le curcuma est excellent pour éviter certains problèmes de vision. Il a un composé chimique appelé la curcumine qui donne d'ailleurs son arôme assez caractéristique, capable de retarder le processus de dégénérescence des cellules de récepteurs de lumière, montrant une amélioration des fonctions rétiniennes, des veines et des vaisseaux sanguins, une autre chose très importante pour nos yeux. Le curcuma réduit la douleur menstruelle. Il a déjà été prouvé que par le passé, les femmes utilisaient le curcuma pour se débarrasser des douleurs menstruelles, car ceci aussi est un antispasmodique très précieux. Un excellent remède naturel pour les douleurs, pour son incroyable capacité à améliorer le débit et prévenir même les crampes. Il suffit d'en consommer 5 g de curcuma avec de l'eau tiède et du lait. Jusqu'à 2 fois par jour, vous pouvez le faire, oui. Cette épice est tout simplement incroyable. Il traite également les maladies cardiovasculaires en raison de son pigment appelé curcumine. Il a été utilisé depuis la nuit des temps pour traiter les problèmes cardiovasculaires. Son pouvoir est si fort qu'il réduit le cholestérol, favorise la nutrition et la croissance capillaire. Ceci améliore également les douleurs musculaires telles que l'athérosclérose. La consommation quotidienne de ceci est recommandée pour protéger le cœur. Le curcuma est un antioxydant précieux. Cette épice a comme composé principal un antioxydant naturel qui élimine les radicaux libres responsables du vieillissement des cellules. Et la chose intéressante est que vous n'avez pas besoin de consommer beaucoup pour profiter de ses propriétés. Pareil pour la mémoire, Parkinson, Alzheimer. Ceci est exceptionnel pour la mémoire en aidant à améliorer les compétences cognitives. Et ceci même lors de l'apprentissage. Donc donnez-en un tout petit peu à vos enfants. Aussi, ceci peut être un complément très riche pour ceux qui souffrent des problèmes de nerfs. Boire 6 g de ceci avec 250 ml d'eau chaude sont suffisants pour déstresser et améliorer votre humeur. Cette précieuse épice a aussi des propriétés antidépressives et même sédatives, dues aux substances actives sédatives qu'elle contient. Également très recommandé pour combattre les troubles du sommeil et l'insomnie en général. Et si vous appréciez ceci, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec vos amis, la famille sur vos réseaux sociaux favoris, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook, bref, partagez. Je vous en remercie d'avance du fond du cœur. C'est une mine d'or pour les athlètes. Sachez que le curcuma, reconnu comme l'un des plus puissants anti-inflammatoires naturels au monde pour les athlètes, car ceci soulage les fatigues, l'inflammation des muscles pour les athlètes professionnels et même vous pouvez le consommer chez vous dans le cadre de vos activités physiques. Pour les athlètes professionnels comme pour les personnes qui s'entraînent régulièrement et ayant des dommages musculaires, c'est aussi un supplément puissant pour les personnes atteintes de diabète. En effet, les personnes atteintes de diabète de type 2
peuvent profiter des nombreux avantages du curcuma à bien des égards. Par exemple, ceci peut vous aider à protéger le cœur des dommages causés dans les nerfs dus aux excès de sucre dans le sang et prévenir les problèmes de vision qui sont plus fréquents et plus intenses chez les personnes diabétiques. Comme si ce n'était pas assez, le curcuma est aussi un anticancérigène naturel. Cela est dû aux flavonoïdes et à la bêta-carotène du curcuma qui ralentissent la croissance tumorale, prolongeant l'espérance de vie et est capable de réduire les dommages aux reins causés par certains médicaments et même certaines chimiothérapies. Mais si vous utilisez le curcuma pour d'autres choses et que vous connaissez d'autres avantages à ceci, n'hésitez pas à partager cela avec nous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous utilisez ceci d'une autre façon, n'hésitez pas à partager comme je l'ai dit plus haut dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner, liker et commenter. Bisous bisous.